Donc, allons-y maintenant à la recherche du deuxième général, ou je sais pas. On va éviter les ennemis ici. Cette fois-ci, on va aller de l'autre bout. Attendez que je règle un petit peu le son. Voilà. Maintenant, j'entends très bien. Oui, je voudrais bien. Dans ce cas-tu. Donc on fait cette des monstres. Ok, pas de soucis. On va utiliser eau glacée pour en venir rapidement à bout de ses ennemis sans perdre de temps. Parce que je trouve que cette combinaison est la meilleure pour éliminer tous les ennemis dans l'écran rapidement. Et Frog monte de niveau. Pour voir ce qu'il y a dans le coffre. Barrière. Eh ben tiens. C'est un ennemi. En tant que cadavre. Ici c'est un petit peu délicat. Parce que le monstre au milieu, il régénère les points de vie de tous les monstres. On va éliminer le tout, puis on va l'éliminer en dernier. Voilà. Il absorbe la magie. Mais c'est pas du tout grave. On va l'achever rapidement. Il utilise zone de destruction, mais sans réel danger. Voilà. On va se déchaîner nos attaques et voilà. Il est facile à vaincre. Mais par contre, on a eu beaucoup d'expérience. Voilà. Et la princesse. Ah, pas la princesse, c'est un ennemi. Bon, une fois. La même combinaison qu'on va utiliser. Au glacé. On va éliminer en dernier le sorcier. Voilà. Zone de destruction. Bah, c'est pas mal. Voilà. Au revoir. Et chronomètre de niveau. Ça, c'est bon, c'est une bonne chose. Et toi, c'est la maman de Chrono. D'accord, essaye de me punir. Même technique. Au glacé. Puis éliminer le sorcier en dernier. Excellent. Sans réel danger, mais bon. J'ai assez d'objets de soins pour me soigner plus tard. Donc c'est pas un souci. Et voilà. Et Marl monte de niveau. On va y voir. On est niveau 21. C'est pas déjà pas mal. Remettre. Remettre. Et remettre. Voilà. On va utiliser. Foudre, éclair sûr et on va attaquer. Et la volée, tout nous impète. Ce n'était vraiment pas flair.
Non, jamais. Donc c'est Flair. C'est un mec qui a l'apparence d'une fille. Bizarre. Là, c'est insultant. Tu vas regretter tes mots. Donc voilà, on va se battre contre la magicienne. Ou bien, je veux dire, magicien ou magicien, on s'en fiche de Flea. On va utiliser un Ether 2 sur Chrono. Puis je vais utiliser Vitesse sur Marl. Je vais utiliser. Waouh! Ça va faire mal. Non, ok. Je vais utiliser. Je vais attaquer normalement. Ça va être un combat vraiment délicat contre Flair. Vitesse sur Chrono. Et je vais utiliser une attaque normale pour le moment. Allez, on va utiliser vitesse sur. J'ai oublié son nom, Frog, voilà. On va attaquer normalement. Voilà. Joli coup critique. Allez, attaque X. Je vais utiliser. Ah, pas double lacet, attaque X. Ah, mais bon. Épée flow, je pense que une épée flow sera bien, mais bon. Épée glace. Épée glace sera la bienvenue en tout cas. Allez, ça fait déjà pas mal de dégâts. Allez, encore une fois une épée de glace. À un moment donné, quand vous allez arriver au stade où vous allez battre Flea, elle devient vraiment super puissante. Et nous sommes empoisonnés. Je pense bien. Je vais utiliser Attaque X. Voilà, et je vais utiliser... guérison. Sur qui? Sur... je vais utiliser sur Marl. Pour le moment. Attaque X. Encore une fois, je vais utiliser juste des objets de soins. Je vais mettre 2 sur Frog. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Oula. Attention. Ok, épée de glace. Sera bien. Ah mince alors. Maintenant on est arrivé à ce stade. Et Chrono est proche de la mort. Je dois rapidement le soigner. Ok, remettre sur Chrono et remettre sur Marl, Frog je veux dire, remettre sur Marl, voilà, on se soigne rapidement, obscurité, mais c'est pas grave, ok, faut tenir le coup, attaque X, remettre 2 sur Chrono. On a largement besoin. Voilà. Encore une fois, attaque X. Et hop, remettre sur qui?
Non, ok. Sur Marv. Prochain tour, je vais me soigner. Ah d'accord, ils se sont pris à Marv. Voilà. Frog, le prochain à se soigner. Voilà. Pas grave. Attaque X. Allez. Pour qu'on en finisse rapidement. Bien joué, Marv. Attaque X encore une fois. Obscurité, mais bon. Sans réel danger. Excellent, Marv. Encore une fois, une attaque X, allez. Ça doit faire mal. Et on a gagné. Sans réelle difficulté, à vrai dire. Ah. Tu as perdu. On trouve une table magique. Allez, qu'on sort d'ici. Il n'y a plus rien à faire ici, donc on va éviter les ennemis. Hop, 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 hop. Tiens, tiens, tiens. Je pense bien que je vais utiliser des setters sur chrono. Voilà. Ça devrait suffire. Ah, il y a des partisans. Faut s'en occuper rapidement. Voilà. Allez. Gagné. Voyons voir. Mes compétences éclair 2, 121 points. Antidote 40. Puis glace 2, 253. Frog est presque au niveau 20. Génial. Encore plus d'ennemis. Ah! La même technique. Je vais attendre Frog. Voilà, au glacé. Bye bye. Voilà. C'était facile. Et Frog monte de niveau, je présume, voilà. Encore plus d'ennemis. Voilà, on attend. J'ai utilisé encore une fois mon glacé. Puis je vais attaquer le reste. Le reste ne devra pas poser de problème, surtout contre les sorciers. Ils sont faciles à vaincre. Zone de destruction. Pas grave. Ok, on dirait Frog est en limite danger. Allez, un coup critique, Frog. Ah, pas de chance. Voilà. Et c'est gagné. On trouve pas mal d'éther. Technique, je vais utiliser Marl pour Aura. Ça devra suffire. Voilà. Encore plus d'ennemis. La même technique. On attend que Marl. Presque. Allez, Marl. Voilà, au glacé.
puis on attaque le reste. Allez, boum! Il ne reste plus que les sorciers. Ah, zone de destruction, c'est pas grave. C'est pas du tout grave. Allez, un coup critique Frog, s'il te plaît. Non. Voilà, c'est gagné. 600 points d'expérience et chronomètre de niveau rapidement. Et on est au niveau 22, pas mal. Prends le coffre. Europe. Ah. Une robe fond. Je laisse la côte rubis pour le moment. Tu peux les appeler tant que tu veux. Bien sûr, ils viendront jamais. Alors, on va le suivre. Voilà. Bienvenue. Il faut attendre le bon moment pour y aller. Ah, encore ici. Côte noire. Attends, attends, attends le bon moment. Voilà. Bon, est-ce? Parce que je suis super bon. Voilà. Je suis vraiment surpris. Un doigt. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un doigt de mort. D'accord. Allons-y par là. On dirait bien que c'est impossible de s'échapper de cette... Voilà, au glacé. Et le reste à éliminer. Boum. Excellent. Et Frog apprend antidote. Voyons voir. Antidote, restaure les PV. Allez. Ah. Donc c'est un soin collectif. Voyons voir. Pas mal. Bon, donc son prochain technique à apprendre, c'est bon fatal. D'accord. Message reçu. Ah. On va s'en occuper rapidement. Le relis. Voilà. Allez, on continue notre route. Donc nous voici au sommet. Pour cette phase, je vais essayer. Bien, vous savez quoi, je vais délibérément tomber dans son piège pour arriver ici. Il y a pas mal de coffres à récupérer ici. Oh, glacé, ça sera facile. Boum, au revoir. Maintenant, voyons voir les coffres qu'on peut récupérer ici.
un étor, un lapis, barrière, une tente. Le truc frustrant ici, c'est qu'il y a plein de points de sauvegarde et on a ceux qui sont truqués. Ah, voilà le vrai point de sauvegarde. Donc je vais utiliser. Je vais ranger, puis je vais utiliser une tente. Ah, un lapis qui restaure 200 points de vie pour tous. Ça va être utile plus tard. Allez, on sauvegarde. Puis je pense bien, si je me souviens bien, c'est... par là. Ah mince alors. Si je me souviens bien, donc... ah, je reviens pas ici. Je vais abuser un petit peu les sauvegardes d'état. Donc, si je pense bien, c'est par ici. Ah, non. Ah, non. Je vais pas accepter ça. Ah, voilà. Mais si c'est possible avec le pouvoir de sauvegarde d'état. Je m'en fiche. Si je parais tricheur, mais bon. Eau glacée, puis attaquer le reste. Toujours la même technique. Voilà. Pardon. Voilà, il monte de niveau. Ça, c'est une bonne chose. Ah, Teroli. Ah, les rolibombes explosent. C'est pas grave, il y a un de moi. Je croyais qu'il était associé avec celui-là. Un voyou. Excellent. Ici, les ennemis ne sont pas vraiment très résistants, mais parfois ils sont un petit peu. Comment dire? Il faut trouver leur point faible. Ah. Voilà, j'ai pu éviter le rolibomb. Voilà. Le rolibomb qui va exploser, mais c'est pas grave. Joli coup critique, Frog. Toujours faut monter, monter et monter cette tour. Vous verrez que c'est une tour après tout. Voilà. Pam 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 pam. Allons-y par là. Vous verrez bien qu'on aura de la visite ici. Toujours la même chose, eau glacée nous sauve la vie et nous permet d'optimiser notre temps, de gagner beaucoup de temps. Voilà. Au revoir. Et Frog monte de niveau, ça c'est bien. Encore plus d'ennemis. Oh, c'est pas grave. La même chose. Eau glacée, puis on terrasse le reste. Eau glacée. Vraiment, on dirait bien que Frog et Marle forment un magnifique duo. Voilà. Joli coup critique. Voilà, c'est gagné.
Bon, voir notre clair d'œil est en route. Ah, il ne reste plus que 25 points. Et pour... Donc chrono est presque au niveau 23. C'est génial. Ah, il y en a 4 cette fois-ci. C'est pas grave. La même chose au glacé et terrassé le reste. La formule magique ici. Voilà. Un de moins. Et deux de moins. Et trois de moins. Et quatre de moins. Excellent. C'est un coup parfait. Alors, Rosie. Ça ne servira à rien. Urg. Tu peux rien faire. On va y ramasser le coffre qui contient une bande. Voyons voir. À quoi ça sert? Bande de vitesse. Bon, je crois bien que je vais m'arrêter là et je vous retrouve dans le prochain épisode. Prochain épisode et on va suivre, ou bien je veux dire pourchasser Ozzy.